Donc, franchement, moi, je sais plus quoi vous dire, quoi. Si tu n'es pas capable de voir que ton S qui est revenu te prend pour un jambon, et en plus, il y en a qui croient et qui vont avoir un gosse avec, mais arrête, quoi. Tu n'auras jamais un enfant avec ton ex, hein. Jamais. Par contre, qui se fout de ta gueule, hein, ça c'est sûr, hein. Et que si tu continues comme ça, ah bah tu vas, je sais pas, peu importe l'âge que tu as, tu te retrouveras seul, hein. Seul comme un couillon ou une couillonne, hein. Alors que je suis convaincu, soit tu peux faire une nouvelle rencontre, si l'autre personne qui est autour de toi ne t'intéresse pas, tu as le choix. Mais sache que ton ex te prend pour un con ou une conne. Parce que tu as autant des mecs que des nanas qui sont comme ça. Et que, en tous les cas, ne t'aime pas. Ne t'aime pas. C'est un pervers ou une perverse narcissique. Et tu perds ton temps. Voilà. Voilà. Et quelque part, t'empêches ou alors tu as le droit. Parce que je vois un autre homme ou une autre femme. Mais si cette personne ne t'intéresse pas, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Par contre, et l'honnêteté de le dire à l'autre. N'agissez pas comme ton ex. D'accord. Mais, ben, tu t'obloques pour rien. Et que tu n'arrives pas à sortir de ça, tu resteras seul toute ta vie. Voilà. Que tu sois un homme ou une femme, tu vas mourir seul. Voilà, écoute. Tu vas mourir seul. Ok? En plus, je vois des gosses. Mais tes gosses, ils vont se casser. Tes gosses, ils rencontreront quelqu'un. Et tu vas te retrouver seul à maison de retraite. Oui, à maison de retraite. Parce que tes enfants ne croient pas qu'ils vont venir te donner à bouffer tous les jours. Hein? Ah ben non, ils auront autre chose quand même à foutre que de s'occuper de toi. Hein? Non mais je te le dis. Hein? Alors toi, tu es pas quelqu'un comme ça. Mais mon gars, en plus pour moi c'est un homme, tes gosses ne vont pas s'occuper de toi. Hein? Pour moi c'est un homme. Un homme qui se fait manipuler par une gonzesse. Hein? Donc tu vas te retrouver chez les vieux. À maison de retraite. Par contre, je vois une nana qui est super et qui demanderait que ça à t'aimer. Par contre, elle,